quand Adriana Carambeu s'amuse de l'état de panique de son mari lors de son accouchement. C'est une date qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Le 17 août 2018, la vie d'Adriana Carambeu a été chamboulée. Après 9 longs mois d'attente, un début de grossesse difficile et un parcours du combattant, Adriana Carambeu est devenue maman pour la première fois à l'âge de 46 ans. C'est grâce à son mari, Aram Ohanian, qu'elle a accepté de sauter le pas. Et elle n'est pas près de regretter. Depuis 5 mois, les deux tourtereaux sont sur un petit nuage. Leur jolie petite Nina égaye leur quotidien. La naissance de Nina a été un big bang, une explosion qui m'a frappé comme la foudre. Je peux dire que pour moi la vie a commencé quand j'ai accouché de ma fille, assure-t-elle dans une interview accordée à Paris Match à paraître ce jeudi 24 janvier. Adriana Carambeu n'est pas la seule à irradier de bonheur depuis la naissance de Nina. C'est également le cas du papa. Déjà père d'un grand garçon de 29 ans, Aram Ohanian a la joie de se replonger dans les couches et biberons. Mais cette expérience de la paternité n'a pas fait de lui un homme plus solide. C'est ce que dévoile avec beaucoup d'humour et de tendresse son épouse. Tout au long de la grossesse d'Adriana Carambeu, l'homme d'affaires a été son pilier, d'une présence sans faille. Mais cela a été beaucoup plus compliqué lors de l'accouchement. Je dînais avec Aram et des amis, dans un restaurant proche du casino de Monte-Carlo, lorsque j'ai été prise de contractions violentes qui m'ont obligée à m'allonger sur la banquette, se remémore celle qui a déjà retrouvé sa silhouette de rêve. Et de poursuivre, nous sommes partis et elles sont devenues si fortes que je me suis mise à genoux au milieu de la rue. Il était 23h et Aram m'a amenée à la maternité. 2 heures plus tard, le travail d'accouchement commençait sous péridurale. C'est là où le bas blesse. Si Aram est bel et bien resté tout le temps à ses côtés, il n'était en revanche pas en grande forme comme beaucoup d'autres papas. Il était tout blanc et disait qu'il allait s'évanouir, à tel point que les infirmières s'occupaient plus de lui que de moi / raconte dans un éclat de rire Adriana Carambeu, avant de conclure. Puis j'ai aidé Nina à sortir, en la maintenant par les épaules, et je l'ai posée sur mon ventre avant que mon mari ne coupe le cordon. Nous étions tellement émus que nous avons pleuré tous les deux.